Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter la seule chaîne de télévision de langue allemande en Italie, Rai Südtirol. Il faut attendre le 7 février 1966 pour entendre les premières émissions de télévision sur Rete 2, aujourd'hui Rai 2, entre 20h et 21h tous les jours. Depuis le 15 décembre 1979, Rai Botzen diffusait sur un canal séparé. Aujourd'hui, le temps d'antenne de Rai Botzen a augmenté pour atteindre près de 750 heures de programmes annuellement, dont des programmes en ladin de Rai Ladina. Les programmes de Rai Südtirol sont ceux d'une chaîne généraliste et sont diffusés sur des plages horaires qui changent tous les jours. Il y a une interruption des programmes entre le lundi et le vendredi et le samedi, de 19h à 20h lors de la diffusion du TG3, journal national, TGR, journal régional, Trail, journal en ladin. Les programmes débutent à 18h le lundi, le vendredi et le samedi et finissent tous les jours à 22h30, sauf le samedi où ils finissent à 23h. D'ailleurs, le samedi est le jour où le temps d'antenne est le plus long, avec près de 4 heures de diffusion. Les programmes peuvent être en italien et en allemand, ou même en ladin, lorsqu'ils sont diffusés sur Rai Bozzano, antenne dans ces trois mêmes langues, mais sont uniquement en allemand sur Rai Südtirol. Les émissions les plus regardées sont Tagesschau am Runden Tisch und Pro und Contra. Le logo représente Rai blanc sur un carré bleu foncé et Südtirol bleu sur fond transparent. Je vous mets le lien de la médiathèque de Rai Südtirol dans la description et je vous souhaite un bon visionnage.